Please be seated, says the president. Veuillez vous asseoir, dit le président. The court is now in session. Est ouverte. As we scheduled, today we will start hearing the witness TCW 487. Nous allons aujourd'hui entendre le témoin TCW 487. We plan to hear this witness for 4 days. Il est prévu d'entendre ce témoin greffier, pendant 4 jours about the attendance of the parties? Monsieur le greffier, pouvez-vous faire rapport sur la présence des parties, le cas échéant? Greffier. Le greffier. Good morning, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président. The attendance is as follows. For the prosecution, all is present. Tous. For the lead les membres du bureau lawyers, des procureurs sont présents. Les parties civiles also, aussi. There is also one civil party lawyer, Ms. Lou Desforges. Maître who has not yet been recognized before this chamber. Conseil des parties civiles n'a pas encore été accrédité devant cette As chambre. For Nunchia's defense, all present. La défense de Nunchia, tous sont présents. Kyo Sampan's defense, all ainsi present. Que la défense de Kyo Sampan. Yang Sari defense, all present. Tous présents dans la défense de Yang Sari. L'accusé Nunchia est présent. Kyo Sampan ainsi is que present. L'accusé Kyo Sampan. And the accused Yang Sari is absent. Est absent. The witness TCW 487, who is summoned by the chamber, is present and waiting to be called into the courtroom by the chamber. The witness has already taken an oath. Le témoin a déjà prêté serment. Le président. President, I noticed the lead co-lawyer. Partie civile demande la parole. Mr. President, there are two points that I would like to raise to your attention. Monsieur le Président, j'ai deux points soulevés ce matin. First, it is in regards to the witness TCW 487. The lead co-lawyer would delegate the task of questioning this witness. L'interrogatoire de ce témoin to Barnabé Aki and Lau Chun Thi. Écouillé et à la maître the second point, as stated Deuxième by the greffier, we have a civil party lawyer who is new and would like to seek recognition from the chamber. Pour laquelle nous demandons l'accréditation devant la chambre. The name is La Desforges. Laure Desforges. Is from France. Avocate and from de France. ASF. Travaillant pour le compte d'Avocats sans frontières. Has been recognized by the bar already. Elle est reconnue par l'association du barreau cambodgien. The lawyer already took an oath before the Court of Appeal in 2010. En 2010, le conseil avait déjà été accrédité devant We la Cour d'appel. We would be pleased for the chamber to recognize this lawyer so that nous demandons à la Chambre de bien vouloir l'accréditer de sorte à ce qu'elle puisse I'm grateful, représenter John. Les intérêts de ses clients devant la Chambre. Thank you. Merci. Le Président. Je vous remercie, Maître. Ms. La Desforges, please stand. Maître Laure Desforges, veuillez vous lever. Vous êtes à présent accrédité par la chambre de première instance en tant qu'avocate des parties civiles. Dans le cadre de la présente procédure, désormais, vous exercez les mêmes droits et privilèges que les autres avocats des parties civiles. Vous pouvez vous rasseoir. During today's proceedings, aujourd'hui, Mr. Yang Sari is absent due to Yang his health Sari reason. Est absent pour raison de santé. And in order to clarify this matter, the chamber appoints
The greffier de Paris to read the reports of le greffier est à présent prié the doctors pour donner lecture du rapport médical treating Mr. concernant M. Yingsari for the considerations afin of d'apporter des the informations parties. Sur la question à l'intention des parties. Greffier. Monsieur le greffier, je vous en prie. Le greffier. To the president of the trial chamber of the au président de la chambre de première instance ECCC. DCETC. Through the office of administration of the Russian Cambodian hospitals, through the office of administration of the ECCC concerning de la part the health of de l'hôpital de l'amitié khmero-soviétique à l'intention des CETC au sujet de la santé de M. Yingsari. Document daté de la matinée du 20 mai 2012. Ce matin, M. Yingsari a été admis à l'hôpital due to the fact urgent. That he regularly coughed and it was difficult for il him to breathe. Et éprouvait de la difficulté à respirer. Through examination, un examen médical Mr. a été effectué with et cet examen a révélé que Yingsari connaissait des problèmes blood veins. De respiration et de vaisseaux his sanguins. Health conditions have son état de santé been better s'est amélioré through treatments grâce aux soins prodigués and he will be discharged from the hospital Yingsari on the morning of pourra quitter l'hôpital Tuesday, 22nd of May, le mardi 22 mai 2012 au matin. After the release of this accused, Mr. Yingsari will have to take a rest for 2 days. Après cela, il devra se reposer due durant to the deux condition jours of his health. Pour permettre for the above à son état reasons, de santé de continuer like de s'améliorer. Pour les raisons the qui me précèdent, j'informe par la présente le président de la chambre de première instance de ces différents éléments. Fait à Phnom Penh, le 20 mai 2012, of the emergency doctor, signé par le médecin urgentiste. President. Le président. Thank you, de Paris. Merci, monsieur de Paris. After having heard the report, nous avons entendu la présentation du rapport médical of, relatif à l'état de santé de monsieur Yingsari. À présent, seek for la consideration chambre from the parties concerning s'adresse the aux parties situations we have at hand here. Au sujet de la présente should situation, any party wish to est-ce take que the floor, parties you may proceed souhaitent now prendre la parole à ce sujet? Si oui, je vous en prie. Some kilo. Maître yes, Carnavas, vous avez Carnavas, la parole. La parole. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. And good merci morning beaucoup, to everyone président, in and around the courtroom. Présentes dans le prétoire aux alentours. It's regrettable that Mr. Yingsari is ill. Malheureusement, M. Yingsari est malade. He does not waive his presence. Il ne renonce he pas does not à son droit d'être présent. Il ne renonce right pas to participate à son droit de in the participer proceedings. À l'audience. And therefore, it is our et par position conséquent, notre position that the proceedings est la suivante. Cannot go forward l'audience until ne Mr. saurait Yingsari se poursuivre is either tant well que M. Yingsari ne se sera pas us with rétabli a waiver. Ou tant qu'il n'aura pas renoncé it's regrettable, à son droit d'être but these are the présent. Standards that il y a the des normes internationales qui existent. Have agreed to celles-ci ont été acceptées par les donateurs internationaux tribunal. Pour le présent tribunal. Nous devons respecter ces normes. M. Yingsari assist in his own defense. A le droit de participer à sa propre défense. Nous ne pouvons pas recevoir des instructions de M. Yingsari if he's not present, s'il n'est pas or présent at least following the proceedings ou s'il ne suit pas tout au moins l'audience par vidéoconférence. Therefore, et donc, it is our position notre position that we'll have to wait consiste à dire qu'il faudra attendre que l'état de santé de M. Yingsari s'améliore. Yes, international co-prosecutor, you may proceed. La parole est au bureau des coprocureurs.
Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. C'est effectivement une situation nouvelle. La dernière audience, si je ne me trompe pas, c'était jeudi. I believe our last hearing was on Thursday, and Yingsari left the courtroom. Il avait consenti à ce que la procédure se poursuive et l'audition du témoin à l'époque se poursuive devant votre chambre. And that the questioning of the witness would also continue. This is not the case now. Rule 81.1. Évidemment, parle du fait que l'accusé doit être jugé en sa présence. Il y a des aménagements dans cet article, dans cette règle 81.1, notamment 81.5. La difficulté ici, évidemment, c'est qu'apparemment, il n'a pas été capable de consentir ou en tout cas, il est toujours hospitalisé. Donc, dans ces conditions, je pense qu'il est... Il appartient à la défense, effectivement, de dire s'il y a consentement ou pas de leur client de participer pleinement à l'audience d'une façon ou d'une autre, ce n'est pas le cas. La question qui va se poser probablement est de savoir quand M. Yingsari pourra poursuivre et être présent, quand il reviendra demain, s'il revient bien demain de l'hôpital, ce qui va se passer. Nous sommes évidemment toujours... d'avis qu'il faut, chaque fois que c'est possible, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, poursuivre possible, la tenue des audiences. Et nous espérons donc que demain, M. Yingsari sera en état de participer aux audiences, même si c'était depuis la cellule qui se trouve en sous-sol. Voilà notre position, M. le Président. Remotely. This is our position, Mr. President. President, thank you. Le président. Merci. Just lead co-lawyer for civil party. You may proceed. Counsel principal pour les parties civiles. Good morning, Mr. President. Maître Pik Ang. Bonjour, Monsieur le Président. Concerning the absence of the accused due to his health reasons. L'accusé est absent en raison de son état de santé. The lead co-lawyers. Do not dans ces conditions, oppose to what has been raised by the defense counsel as well as by n'ont rien à objecter prosecutor. À ce qui a été dit we par la défense et par l'accusation. As stipulated nous in internal rule 81 of the les droits de l'accusé tels qu'énoncés à la règle 81 du règlement intérieur des CETC. We do not push forwards the hearing without the presence of the accused. Nous n'insistons pas pour que l'audience ait lieu en dépit de l'absence de l'accusé. So, this is our position, your voilà presidents. Donc notre position, Monsieur le Président. Le Président. Just defense counsel for Nunchia, you may la parole proceed. Est à la défense de Nunchia. Counsel Sonaron. Maître Sonaron. On behalf of the accused Nguyen Chia, au nom de l'accusé Nguyen Chia, I would like to support the call for a halt of the proceeding by defense counsel for Mr. Yingsari. Je considère comme la défense de Monsieur Yingsari qu'il convient the accused de suspendre les audiences. Is closely related to the testimonies to be heard. Dès lors que l'accusé Yingsari est directement concerné par la déposition qui était prévue d'entendre aujourd'hui, en l'absence de M. Yingsari, celui-ci ne pourra donner des instructions à son avocat, raison pour laquelle j'appuie la position exprimée par la défense de Yingsari. Le Président, merci, Maître. La parole est à l'avocate international de M. Kyosampan. Je vous en prie. Bonjour Monsieur le Président, good morning, bonjour à l'ensemble des partis, bonjour mesdames et messieurs de la Chambre. Il va de soi que nous supportons entièrement la demande de l'équipe de défense de Yingsari, l'un des droits fondamentaux de l'accusé d'être présent dans le cadre de son procès, et c'est important que ce principe soit respecté, que la procédure puisse être garantie pour l'ensemble des partis. Il va de soi que c'est une position que nous avons au sein de l'équipe de défense de Kyosampan. Something that we also follow. President, thank you.
Something looks like chakram. President. Yes, Madam Judge, you may proceed. Madame la juge. Thank you, President. Counsel for Ying Sari, there are two minor matters that I wish to seek your views on before the President makes his ruling on the primary point. The first is the question about the provision of full medical information concerning your client to the public. I don't imagine that you have much objection to the medical information that's been disclosed today. But for the future, it would be helpful to know if you have any objection to full medical information being disseminated. That's my first question. The second is, we are anxious to ensure that you have, and this would apply to any other party as well, of course, that you have no difficulties in having contact with your client when he is hospitalized. Thank you. Être en contact avec votre client alors qu'il est hospitalisé. As to the first question, Maître Ying Sari. To start with, it would be great if the lawyers were informed about the medical condition. Normally, we're not. For some odd reason, we're left in the dark. Nous n'avons pas été informés de I would have notre to consult client. With Ms. Ying Sari in order to provide an informed answer pour pouvoir to the first question. I suspect de cause he would not question. Object to that. Je pense I think it is important for transparency purposes. Cela me semble important pour des raisons de transparence. As to the second question, normally we don't have access to the clients. Now there is a different provider. En contact health avec provider. Notre client, il y a un autre prestataire de services de santé. Aujourd'hui, on nous a dit que nous pourrons peut-être rendre visite à notre client. Dans le passé, avec l'hôpital précédent, on n'a pas pu avoir accès à notre client. Nous allons donc essayer de lui rendre visite aujourd'hui. Voilà, j'espère avoir répondu. Of course, we would have to leave it to the medical authorities to decide if it was inappropriate medically for you to visit. But other than that, I think you can leave that matter with the chamber to try and resolve Mr. Carnavas. Le soin de régler ce problème, Maître Carnavas. President, thank you. Merci. Having seen and having read the report of the après avoir pris connaissance du rapport Cambodian Soviet Friendship Hospital médical de l'hôpital of the de l'amitié khmero-soviétique au sujet des soins dispensés à l'accusé Ying Sari, which clearly indicates that il apparaît clairement Ying Sari cannot be discharged from the hospital until tomorrow ne pourra quitter l'hôpital que demain matin. As a matter of fact, Mr. Ying Sari has been receiving emergency treatment since the 17th of May 2012. D'urgence depuis le 17 mai. Having heard the position, la chambre a entendu la position the defense counsel for exprimée Mr. Ying Sari, par la défense de Ying Sari, who expressed that the proceedings laquelle should not indique qu'à son avis les audiences ne sauraient se poursuivre. His clients, en l'absence to the international de l'intéressé, et ce, en application des normes internationales pertinentes. And that he has not la défense been consulting with his clients, a indiqué ne pas avoir pu consulter son client. And having heard that other parties also joined par ailleurs, the call, les autres parties pursuant to se sont associées internal rule 81.5, à la demande faite par la défense de Ying Sari en application and internal rule 81 de la règle generally, 81 du règlement intérieur des CTC. The chamber now decides par conséquent, that la chambre décide comme suit. Today and tomorrow proceedings cannot go on. The chamber will les audiences adjourn ne sauraient the proceedings se poursuivre and will resume ni aujourd'hui the proceeding ni on demain. Wednesday on the les débats reprendront donc mercredi. Third. Le 23 mai 2012. The chamber would like to inform the public as well that la chambre
tient à annoncer ce qui suit au public. Have two sections, two separate sections. The mercredi, first section l'audience se deal with the opinions of deux the doctors who have been différents. Treating Mr. Ying Seri. Premièrement, the chamber would like to hear recommendations from the doctors les recommandations concerning des médecins qui traitent Ying Seri. How the chamber should conduct its proceedings. La chambre voudrait recevoir des recommandations de la part des médecins pour savoir si Ying Seri peut continuer d'être présent so, dans le prétoire. How Mr. Ying Seri can proceed, can participate et le in cas proceeding. Échéant, is Mr. Ying Seri going to participate in il faudra person, savoir or is he going to si Ying Seri pourra être présent en personne means. Ou bien s'il pourra assister à l'audience par les moyens audio sufficient recommendation the chamber will decide habituel. Accordingly. Après avoir reçu suffisamment d'informations, la chambre tranchera. In the event that we have received negative recommendation from the doctor, si l'avis médical then the chamber will est decide négatif, accordingly as well. La chambre se prononcera en conséquence également. Besides, given the present situation, the chamber par ailleurs, will or may compte tenu des circonstances, consider whether we are going to have any proceeding on Friday. Il so se peut que la chambre fixe une audience. We can expedite our proceedings. À vendredi. So the chamber now announced the adjournment of today's proceedings and we will resume on Wednesday the 23rd of May 2012 as indicated le mercredi just now. 23 mai 2012 comme cela vient d'être annoncé. As for witness TCW 487 TCW 487 the court officer is now instructed to coordinate l'huissier with d'audience et prier de prendre les dispositions nécessaires en collaboration avec l'unité d'appui aux témoins et aux victimes pour que le témoin puisse rentrer chez lui et revenir pour Wednesday, mercredi matin. May 2012 to await for call from the chamber in case we have positive recommendation from le the doctors. Témoin devra se tenir security prêt mercredi en cas d'avis médical positif de la part des médecins qui traitent l'accusé Ying Seri. Agents de sécurité, veuillez conduire les accusés Kyo Sang-pan et Nunchia au centre de détention et les ramener dans le prétoire mercredi 23 mai 2012. As for Mr. Ying Seri, the chamber has not yet decided whether he la is to be brought to this courtroom on pas the day or not. We will s'il convenait await the recommendation from the doctors first. Dans le prétoire mercredi ou non, la chambre devra d'abord entendre les recommandations des médecins. Accordingly, après quoi, la chambre se prononcera. Some change, l'audience est levée. All rise.